voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est un beau jour pour vous qui faites cette entrée en catéchuménat qui vous préparez au baptême. C'est un beau jour pour nous d'être avec vous en communauté, en amitié, en fraternité. Alors nous avons aussi un bel évangile, vous avez entendu, c'est une belle histoire qu'on nous raconte là. Quelque chose de très beau qui nous dit beaucoup sur notre foi. Et pour commenter un petit peu cet évangile, là, je me suis appuyé sur quelque chose qu'avait dit le pape Benoît XVI à une rencontre de jeunes dans les JMJ, à Cologne, il y a pas mal d'années. Vous n'étiez peut-être sûrement pas né encore. Et c'est un très beau commentaire, et ça m'a touché quand je l'ai entendu en direct à ce moment-là, et je l'ai retrouvé. On peut tout retrouver, vous savez, maintenant sur Internet. Donc j'ai retrouvé ce commentaire. Et je trouve qu'il est très beau parce qu'il peut nous parler. Voilà, on voit ces mages-là qui arrivent dans cette maison. Alors, je ne sais pas s'ils ont frappé avec un marteau comme vous à la porte, mais en tout cas, on leur a ouvert. La preuve, c'est qu'ils sont entrés. Ils sont entrés, il y avait une étoile qui les avait guidés jusque-là. Et ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Un enfant et un bébé. Un enfant, un bébé, et sa maman plutôt, et sûrement Joseph aussi. Et ils se sont prosternés devant cet enfant. Alors on peut se dire, c'est la fin de l'histoire finalement, puisqu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. L'histoire est terminée, ils sont partis de très loin, ils ont suivi une étoile. Ce n'étaient pas des rois, on dit des rois mages, mais c'était des mages, c'est-à-dire c'était des sages, des savants, qui étudiaient les événements à travers des signes que donnait la nature, le cosmos,
Et donc, ils ont suivi leur intuition et leur étude pour arriver jusque-là. Ils se sont renseignés, ils ont pris des précautions, ils se sont arrêtés, ils ont dialogué avec des sages juifs qui connaissaient les Écritures, et ils sont arrivés là. On peut se dire, ben voilà, l'affaire est finie, ils vont pouvoir rentrer chez eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Eh bien, pas du tout. C'est là que tout commence. C'est pas là que tout s'achève. C'est comme vous, vous pourriez dire, voilà, on a cheminé, merci pour vos témoignages, hein, tout à l'heure, de ce qui vous a amené jusque-là. Alors, on pourrait dire, vous êtes arrivé jusque-là, on vous a ouvert la porte, et voilà, l'affaire est réglée. C'est fini, c'est bon, vous êtes assise ici, c'est terminé. Pas du tout, vous savez bien que ça fait commencer. Comme pour nous, hein, comme pour nous. Faut pas penser que parce qu'on est assis ici, depuis un certain nombre d'années, l'affaire est réglée. C'est bon, on est arrivé, pas du tout. Ça ne fait que commencer, ce n'est qu'un commencement. Pourquoi ? Parce que ces sages, quand on leur a dit qu'il y avait un grand roi qui devait arriver, qui allait changer beaucoup de choses, qu'est-ce qu'ils se sont imaginés ? À votre avis, comment ils voyaient la scène ? Après avoir cheminé depuis l'Orient, je sais pas, depuis la Perse, je ne sais pas de où, pour arriver là. Comment ils voyaient la chose, à votre avis ? Ce grand roi, comment ils allaient le trouver ? Comment ils allaient être, à votre avis ? Vous voyez pas ? On vous dirait qu'il y a un grand roi qui doit venir, est-ce que vous l'imaginez dans une cabane ? Enfin, non. Ils s'imaginaient que le grand roi qui allait tout changer, c'est forcément quelqu'un de puissant, parce que c'est par la puissance qu'on peut changer les choses. Si vous voulez changer le monde, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir des armées, il faut avoir du fric. À ce moment-là, on va pouvoir changer les choses. Alors, ils viennent voir ce grand roi et ils trouvent un bébé dans une crèche. Ah, c'est un choc. Mais comment ce bébé va pouvoir changer le monde ? C'est pas possible. Où sont ses forces ? Où sont ses troupes ? Ils seraient venus un peu avant, ils auraient vu une bande de bergers. Non mais, on va changer le monde avec une bande de bergers ? C'est quoi l'histoire ? Donc, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que ces hommes, à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout change pour eux. Parce qu'ils se disent, comment c'est possible que ici et maintenant, avec ce bébé qui est là, ils se prosternent, parce qu'ils ont vu l'étoile, ils ont fait leur calcul, c'est bien lui. Ils vont se prosterner dans la foi. Mais ils vont devoir faire un pas incroyable de penser qu'avec ce petit enfant, dans une si pauvre condition, le monde va changer. C'est ça l'extraordinaire de notre foi. C'est qu'avec presque rien, on peut faire un feu d'amour. Avec des gestes tout simples, on peut changer le monde. Il y en a qui pensent, je ne ferai pas de politique, mais je vais en faire quand même. Hein, on s'appelle Bolsonaro, on détruit les forêts, on pense qu'on va gagner quelque chose. Ou on va construire des murs entre des pays. Ou alors on va envahir un pays voisin, je ne nomme personne, en pensant que là on est puissant. Ça fait quoi ? Ça fait rien, ça fait de la mort, ça fait du rien du tout. C'est pire que tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec presque rien, mais qui est offert, on a tellement envie de garder nos affaires. Ça, c'est à moi, tu ne touches pas. Mais attention, c'est à moi, vas-y, serre-t'en, je l'ai, c'est pour toi. Vous voyez, c'est ça le mystère chrétien. C'est de changer nos idées sur Dieu, sur la puissance, sur nous-mêmes. Nous existons quand nous partageons. Nous existons quand nous sommes dans la tendresse, dans l'amour, dans le regard sur l'autre. Pas quand on veut écraser, dominer. Alors ces hommes qui s'attendaient à voir une grande puissance, comme il y avait une grande étoile, ils se trouvent devant quelque chose de tellement simple qu'ils sont obligés de changer. Ça, c'est le style de Dieu, comme disait Benoît XVI. Le style de Dieu, c'est un pauvre enfant dans une crèche. Qu'est-ce que ça change pour eux ? Eh bien, vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas repartir par le même chemin. C'est ça qui est dit à la fin de l'Évangile. Parce que, pas simplement parce qu'ils ont peur d'Hérode,
mais parce qu'on ne peut pas prendre le même chemin quand on a compris que le sens de la vie, c'était ce qu'ils venaient de voir dans cette crèche. Parce qu'ils comprennent qu'à partir de là, toutes leurs valeurs vont être renversées. Toutes leurs valeurs sont renversées. Parce qu'il n'y a plus que l'amour qui compte, il n'y a plus que le partage, il n'y a plus que la fraternité. Alors nos astres à nous, merci de nous les avoir donnés tout à l'heure. Ça peut être dans votre famille, dans un groupe de scouts, dans une recherche intérieure. Voilà, vous avez donné tout à l'heure un peu ces éléments qui font que vous avez vu aussi, vous, une lumière là, quelque part, et vous êtes dit, ça vaut le coup, j'avance. Mais pour chacun d'entre nous aussi, ça vaut le coup, j'avance. Ça peut être des événements joyeux, quelque chose qu'on attend depuis longtemps et qui arrive. Ça peut être des événements plus difficiles qui vont bouleverser nos points de repère. Et on se dit, ben alors qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, nos étoiles, on en a sans arrêt des étoiles. Tous les jours, il y a quelqu'un qui va croiser notre regard, quelqu'un qui nous appelle à quelque chose, quelqu'un qui nous offre quelque chose. Et on se rend compte que le Seigneur passe. Il passe tout le temps. Alors je vous le dis, repérez bien, il passe tout le temps. Il est déjà passé chez vous, il va repasser. Le Seigneur passe sans cesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mages, quand ils étaient là sur place? Vous avez entendu, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne n'a... Vous voulez qu'on relise l'évangile? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mages, quand ils étaient sur place? Ils ont offert des présents. Ils ont offert de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'or. Ils ont offert tout ce qui signifie la puissance et la force. Il faut être riche, il faut avoir des choses. À ce moment-là, j'existe parce que je suis fort. Ils ont offert ça. Ils ont offert de l'encens. Ils ont offert leur désir le plus profond. C'est ça l'encens, le désir d'avoir une vie qui a un sens. Et on pense que Dieu peut donner un sens à notre vie comme les autres aussi. Donc ils ont offert ça, leur désir de sens. Et ils ont offert de la myrrhe. La myrrhe, c'est quand on voit qu'on va partir, c'est les rites aussi pour le départ de cette vie. Ben, c'est tout notre corps, tout ce qu'il y a en nous de force, de puissance, de vie que l'on offre. Et tout à l'heure, vous allez faire un geste, on est d'accord? Vous allez aller déposer vous aussi ce que vous avez découvert de l'étoile dans la crèche. Vous allez déposer tout ce qui fait votre vie. Donc, il faut nous décramponner. Il faut accepter de ne pas vivre accroché comme si je lâche, eh ben je tombe et je me fais mal. Si je lâche, je me mets debout et je vis. Vous voyez, c'est tout le contraire. Si je lâche quelque chose auquel je me dis, si je lâche, j'existerai plus, mais j'existe en le partageant. Ensuite, il ne faut pas écouter nos peurs. Alors là, c'est bon pour nous tous. Nos peurs, il n'y a rien de pire. Si on unit les deux paroisses, on va disparaître. Vous êtes bien d'accord, On va mourir. Bon, peut-être qu'il faut encore attendre. On va voir le 4 février. J'avais dit qu'on voterait, savoir si on unit. Si vous votez non, il n'y aura pas d'union. On attendra. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Si vous dites oui, on ira. Mais combien de peurs on peut avoir? Combien de peurs? Si je fais ça, j'existe plus. Et le Seigneur nous dit, allez, lâche tes peurs. Lâche tes peurs. C'est comme ça qu'on vit. Lâche tes peurs. Ne pas écouter nos peurs, parce que Hérode, s'il a essayé de zigouiller Jésus, c'est bien parce qu'il avait peur de perdre sa place. Il n'a pas réussi. Lâche tes peurs. Et ensuite, le pape Benoît, là, il nous appelait à apprendre à notre tour le style de Dieu. Je pense que pape François est d'accord, parce qu'il le vit tout le temps, le pape François, dans le style de Dieu. Et le style de Dieu, c'est quoi? C'est pas la puissance, c'est pas l'écrasement, c'est pas la domination. Le style de Dieu, c'est la simplicité, c'est la joie d'être ensemble. C'est la joie de s'ouvrir aux autres, à ceux qui ne partagent pas forcément notre foi,
nos croyances, nos idées. Parce qu'on a tellement envie de se retrouver entre gens qui pensent la même chose. Eh bien, le style de Dieu, c'est d'aller toujours plus loin, au large, au large, au large. Vous êtes d'accord? Non, tu n'es pas d'accord? Si, si, tu es d'accord. Très bien. Alors, eh bien, n'ayons pas peur, prenons ce chemin, acceptons d'apprendre le style de Dieu, c'est ça que vous allez découvrir de plus en plus, et puis vous savez, moi, il n'y a pas un jour où je découvre quelque chose du style de Dieu et je m'émerveille. Quand on découvre le style de Dieu, c'est un bonheur qui n'a pas de fin. C'est ça la vie éternelle qui commence ici et maintenant. Et que le Seigneur nous donne cette joie incroyable. Osons emprunter un autre chemin. Donc vous voyez, vous êtes rentré par la grande porte, je vous propose de sortir par la petite. Bah, pas tous, parce que sinon on ne va pas y arriver. Hein. Voilà, que le Seigneur nous donne ce bonheur de le suivre.